كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. D'extension d'une station de traitement des eaux usées. Donc c'est un projet qui concerne quatre stations, enfin qui s'inscrit dans un programme plus global qui concerne quatre stations. Ici nous sommes à la station de Sud Méliane, mais trois autres stations sont également concernées et vont faire l'objet également dans le cadre de ce programme qu'on appelle DEPOLMED, d'une action d'extension et de réhabilitation. Donc c'est un projet qui, un programme plus exactement, qui est financé par la France à travers l'Agence française de développement, conjointement avec l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, et en partenariat notamment avec le gouvernement tunisien et l'ONAS qui est l'opérateur et qui exécute concrètement le projet sur le terrain. Moi, ce que je veux, peut-être le point que je veux signaler, c'est que c'est un projet qui va bénéficier directement aux populations. C'est un projet qui va permettre d'améliorer la qualité du traitement des eaux usées dans toute la partie sud de l'agglomération de Tunis, qui est peuplée d'environ 600 000 habitants. Donc c'est un projet qui directement ou indirectement va bénéficier à 600 000 personnes. Au-delà, c'est aussi un projet vertueux en ce sens qu'il va permettre de rejeter en mer de l'eau de meilleure qualité, donc moins polluée, et donc contribuer à la dépollution de la Méditerranée. 36 mois. À partir de, les travaux vont commencer là dans un mois et ils sont prévus pour s'étendre sur 36 mois. Donc ce projet-ci, qui encore une fois rentre dans le cadre d'un programme plus large qui concerne quatre stations, et ce projet-ci sera terminé fin 2023. Non, l'AFD mène beaucoup d'autres projets, mais là je suis ici, donc je parle. Vous avez bien tenté, mais là pour l'instant je ne parle que de ce projet. Majid Bataib, Raïs Moudil Am, Dirain de Watani Tatir. Il y a un mandat de Tatir. ثم الحوض الجنوبي محطة تطهير جنوب مليان اللي احنا متواجدين فيها اليوم. شو جديد اليوم ان شاء الله في اطار نظره شامله هي في اطار مصالحه مع الضاحيه الجنوبيه اليوم ننطلقوا ان شاء الله الشهر القادم تنطلق اشغال تاهيل وتوسعه محطه تطهير جنوب مليان لتصبح طاقه استيعابها تقريبا 90 الف متر مكعب في اليوم باستثمارات تعادل 135 مليون دينار مده انجاز 36 شهر. ممول من طرف ثلاثة متدخلين اللي هما الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية. هذا في باب تأهيل وتوسعة محطة تطهير. أكثر مناطق باش تستنفع من توسعة المناطق؟ قلت لك الحوض الجنوبي لتونس تقريبا ولاية بن عروس بشكل كبير. فما حتى لتونس ترجع معها بارتي من تونس. من جبل الجود بور الصدري. سمعنا بالتصريف المياه في البحر كما سبقت بكري قلت لك هذه مصالحه مع الضاحيه الجنوبيه كما صار في الضاحيه الشماليه لتونس. في المرحله الاولى اليوم انجاز محطه تطهير وتاهيلها لتصبح مواكبه للنورم مواصفات سكب المحيط المتلقي. كما شاهدت اليوم محطه باش تكون مجهزه بالمعالجه الثلاثيه. ثم في مرحله لاحقه ان شاء الله مصرف بحري اللي حاليا في طور الانتهاء من اعداد الدراسات نتاعو من المؤمل عرضه على الجهه ان شاء الله خلال شهر ديسمبر هذا فيما يتعلق بالمصرف البحري الدراسات. في وقت لاحق يصبح البحث عن الاعتمادات لإنجاز مصرف بحري لتصريف المياه المعالجة في عمق البحر وليس على السطح.
Pour moi, déjà, comme ambassadeur de l'Union européenne, c'est bien de montrer ensemble qu'avec avec la participation française, Banque européenne d'investissement et de l'AFD, on peut vraiment monter des grands projets structurants. Dans ce cas-là, c'est structurant autour de l'assainissement de l'eau dans l'intérêt de la population tunisienne. Je pense que c'est urgent d'avoir ce projet lancé. Notre propre contribution et ce qu'on peut faire en tant que budget, c'est de mettre un don à côté des prêts des autres bailleurs de fonds qui aident dans cela une structure comme ONAS vraiment de mettre en puissance la réalisation d'un projet. Ça, c'est un des quatre stations qui sont soutenues par nous-mêmes. Et plus généralement, je peux ajouter que jusqu'à quel point ça vraiment entre dans la DNA européenne, dans le sens de lutter pour un développement plus durable, plus sain pour la population. On fait beaucoup ici dans le pays, mais c'est très bien de voir que ça va toucher vraiment l'amélioration de la vie quotidienne de beaucoup de Tunisiens. Et puis il y a aussi le volet environnemental, évidemment, qui est très important, avec la perspective d'avoir aussi des eaux plus propres dans le golfe de Tunis. Tout ça s'enchaîne d'une très bonne collaboration, notamment avec le ministère de l'Environnement, mais aussi à travers le gouvernement. Et comme je dis, de monter en puissance avec les autres bailleurs européens, c'est aussi mon devoir beaucoup de fédérer tout ça ensemble. Donc c'est rassurant de voir tout ça, et c'est aussi bien d'avoir une certaine impatience des représentants locaux qui sont ici avec nous, qui vraiment attendent que ça se réalise. Mais j'ai l'impression que c'est sur le bon chemin, donc je suis content.